Wow, ça fait tellement bizarre de rallumer cette caméra. Salut la Pixie Army, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve donc dans mon nouveau décor, voilà, que vous pouvez observer juste ici. Ça me fait extrêmement bizarre de tourner ici. Ça résonne aussi énormément et je suis désolée d'avance pour ça. J'essaye de m'approprier l'espace, ce nouvel endroit. Il va me falloir un peu de temps pour trouver mes marques, pour m'adapter au niveau du son, au niveau de l'image, etc. Donc soyez tolérants avec moi, mais je suis juste trop contente de vous retrouver ici. Toutes les vidéos que vous avez vues jusqu'ici, c'était soit des vidéos qui étaient pré-filmées, soit des vidéos que j'avais d'avance, etc. J'en avais fait une dans mon salon, la critique du Royaume, qui a fait énormément parler. Et aujourd'hui, je vous retrouve pour mon room tour. Je suis hyper excitée de vous montrer cette pièce, la Pixie Army, puisque c'est désormais ici que je vais filmer toutes mes vidéos sans exception. Et c'est vraiment la pièce dont je rêvais. Alors je tiens à vous préciser avant tout que la pièce n'est pas finie à 100%. Il reste des tableaux, je voudrais mettre un canapé, tout ça, tout ça. Mais je pense que vous aurez l'occasion de revoir cette pièce dans son intégralité. Bien évidemment, je vous ramènerai avec moi par ici. Je vais en profiter également pour vous parler de 2-3 petites choses. À commencer par le planning des vidéos, puisque à la rentrée, je suis décidée à revenir en force ici. Comme vous le savez, si vous me suivez depuis un petit moment, toute cette année 2019, je suis passée à une vidéo par semaine parce que j'avais énormément de choses à gérer, c'était un petit peu compliqué. Et là je suis motivée à blog, je vais vous refaire plein de contenu. Maintenant que j'ai un super espace pour filmer, ça va être l'occasion de laisser parler ma créativité. Il va y avoir notamment donc 2 vidéos par semaine, donc le mercredi et le dimanche. Il va également y avoir le retour des crash tests, je sais que ça vous a manqué. La cuisine, pour l'instant, ça va pas être encore le cas parce que ma cuisine n'est pas du tout prête et je me sens pas encore à l'aise pour filmer là-bas. Mais par contre, je vous promets qu'il va y avoir pas mal de crash tests, pas mal de choses drôles à voir. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous. Je vais également vous faire plus de vidéos cinéma, je pense. Plus de vidéos parc, enfin bref, je vais m'éclater. J'ai l'espoir également d'ici la fin de l'année d'ouvrir un podcast sur la chaîne. Donc j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des thèmes en particulier que vous aimeriez voir. Des vidéos que vous attendez avec impatience. Je suis à votre écoute, donc la Pixie Army, c'est le moment ou jamais de se lâcher. Vous allez également le voir, la charte graphique de la chaîne va évoluer, donc là vous pouvez le voir à travers le décor. Il y a également du coup ma nouvelle photo de profil que j'ai mis il y a quelques semaines maintenant sur la chaîne. Il y a le nouveau générique. Voilà, donc j'attends vraiment tous vos retours, n'hésitez pas à me dire si ces changements vous plaisent, etc. C'est beaucoup de travail, beaucoup d'excitation et j'espère que vous serez au rendez-vous, que ça vous plaira. Je compte sur vous pour avoir toujours plein de retours extrêmement constructifs, c'est ce qui me permet d'avancer. Mais je suis motivée à bloc et cette rentrée, ça va être la note de la Pixie Army. Bref, j'ai assez blablaté, ce que je vais faire, c'est que je vais vous emmener avec moi. Et bah on y va, ça y est, c'est parti. Je vous retrouve donc par ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire d'abord un premier tour global de la pièce. Donc ça, c'est mon espace tournage. Là, c'est une partie du mur qui a encore besoin de travaux. Là, on a l'arbre à chat de clochette. Ici, il y aura un canapé à terme et... Là, on a du coup toute ma bibliothèque que j'ai réagrémentée et qui est donc du coup plus grande que d'habitude. Hop. Le tapis. Et ici, on a mon bureau, mais qui va être déplacé pour être en plein milieu de la pièce. Donc je commence par vous présenter l'espace de tournage. Pour l'instant, là-haut, il n'y a rien, mais bien évidemment, elles vont être utilisées, ces étagères. Ne vous inquiétez pas pour ça. Donc les murs ont été repeints en bleu lavande et j'ai mis des autocollants par-dessus que j'ai acheté sur Etsy, que je vous avais montré dans mon précédent haul. Et là, on a du coup toute mon étagère Toy Story Collection. À gauche, nous avons donc l'Empereur Zurg que je rêvais d'avoir depuis très longtemps. Ce que vous voyez là, la petite fusée, c'est un set de gomme que j'ai acheté sur Shop Disney. Là, le monsieur hérisson, il vient de chez Insta Chineuse, donc je l'ai acheté d'occasion. Là, on a le Lotso, version Toy Story Signature Collection en anglais. Si vous regardez mes hauls, vous les connaissez hein, déjà tous ces produits. Forky qu'on m'a offert pour mon anniversaire. Alors, les deux monsieur patates que vous voyez devant vous, les tout petits, c'est des jouets Happy Meal. Et juste derrière, vous avez donc du coup monsieur et madame patate. Monsieur Patate, c'est un mug qui était vendu au Disney Store pendant un certain moment. Je crois qu'il est plus vendu maintenant. Et qui me rappelait notamment l'attraction en Californie de Toy Story Mania. Et juste derrière, vous avez Madame Patate. Et la Madame Patate, elle vient de Tokyo Disneyland. Juste là, c'est Buzz l'éclair version Toy Story Signature Collection que j'ai laissé debout. Contrairement à Woody et Jessie que je préférais avoir assis.
Là, on a du coup Zigzag, que j'aime d'amour, et qui est une figurine que j'avais achetée sur Amazon. Vous avez également le ressort sur le côté. Monsieur Bayonne, qui m'avait été offert par Wapi dans le premier swap que j'ai fait sur ma chaîne. Et juste là, vous avez du coup Pile Poil, qui était aussi un Toy Story Signature Collection que j'ai eu pour Noël. On passe à présent à la partie tournage, donc celle que vous verrez en background de mes vidéos. Vous verrez pas tout, malheureusement. Vous verrez pas tout, malheureusement, parce que bah, y a ma grosse tête devant, mais voilà ce que ça donne, donc. La lumière que vous voyez au fond vient de chez Primark, elle n'est plus vendue depuis. Juste devant, vous avez une figurine de Shop Disney. Elle a plus d'ailes, c'est normal, Clochette s'en est chargée. On me demande très très souvent, la Luxo Ball vient de chez Pixar. Vous avez également des petites guirlandes lumineuses, ce sont des têtes de Mickey. Oui, oui, j'ai poussé le vice jusque là. Elle vient de chez Primark. Là, on a la baguette qui m'avait été offerte par Haribas, qui est gravée à mon nom et qui est un exemplaire unique. Les oreilles de la Magical Pride. Le but, c'est de changer les oreilles régulièrement. J'aimerais bien que le background évolue en fonction des saisons, etc. Et là, du coup, on a la pomme d'Aribas avec derrière donc les coffrets que je collectionne, qui sont pas vendus en France, qui sont vendus dans les parcs américains, et dedans, vous avez des cartes postales. Voilà, donc vous avez différentes répliques. Vous les verrez par la suite dans ma vidéo, si jamais vous les avez jamais vues, mais je les trouve trop trop belles. En dessous, donc, on a cette tasse-ci qui vient de Tokyo Disneyland et que j'adore. J'ai mis une petite plante à l'intérieur. Là, on a mes Tsum Tsum de Vice Versa. Mon chapeau Walt Disney World à l'arrière qui est gravé à mon prénom. Les aliens, ce sont les Toy Story Signature Collection. Dingo et Max, c'est parce que c'est l'un de mes films préférés, un de ceux qui a marqué mon enfance. Et donc c'est un carnet de Shop Disney. Et juste là, vous avez le château de Disneyland Paris avec quelques petites lumières à l'intérieur. Je trouve ça très très joli. Alors pour mon bureau, rien de très intéressant à vous montrer, si ce n'est cette petite lampe, qui est donc du coup inspiration Pixar. Et vous avez ici une Luxo Ball, donc c'est une petite boîte à bonbons que j'avais achetée au Shop Disney japonais. Et juste devant, vous avez Monsieur Mince que j'ai eu dans mon Happy Meal. Passionnant. Pour continuer avec les petits détails Pixar, puisque ma pièce est sur le thème de Pixar et Disneyland, donc j'ai customisé mon disque dur externe, voilà. Là, vous avez le petit pins de Mrs. Renard que j'ai mis de côté pour le mettre bientôt. Une carte qui m'a été offerte par une membre de la Pixie Army. Et juste ici, vous avez du coup un cadeau que j'avais adoré à l'époque, qui m'avait beaucoup touchée. Donc c'était une membre de la Pixie Army qui était partie à Shanghai Disneyland et qui m'avait ramené ça. Voilà, et je l'ai gardé depuis comme poids crayon. Donc je vais faire bibliothèque par bibliothèque, histoire de tout vous montrer, parce que j'ai vraiment bien changé les espaces. En fait, entre l'ancien endroit où je tournais et là, il y a une bibliothèque supplémentaire qui est celle-ci. Donc là, vous avez donc une petite boîte, comme je vous en parlais tout à l'heure. Donc là, c'est Mary Poppins. À côté, vous avez cette figurine que j'adore. C'est une Grand Jester Collection, édition numérotée, etc., qui est assez rare maintenant. Là, j'ai fait tout un espace Funko Pop, parce que je ne sais pas trop où les mettre. Juste en dessous, là, vous avez donc du coup ma nouvelle collection Picsou. Je me demande si je ne vais pas acheter une figurine Picsou pour la mettre avec. Donc c'est des numéros que je collectionne. Donc ici, ça vous rappellera sûrement des souvenirs, c'est mon étagère qui a migré, donc elle est ici. Un peu plus bas, c'est du bazar. Là du coup, vous avez le popcorn bucket de Buzz l'éclair qui vient de Tokyo Disneyland, mais là honnêtement, c'est du bazar, j'ai pas encore aménagé. Hein. À droite, c'est ce que je dois vous présenter dans mes prochains hauls, donc je mets un petit peu de côté. Là, on a du coup toute une étagère rouge, puisque j'adore trier par couleur, voilà, c'est mon obsession. Et donc vous avez du coup quelques-uns de mes livres, avec ici Jack-Jack, qui m'avait été offert par Alex des DL Polémiques. Et ici, vous avez un espace pour Clochette. Ça me rappelle beaucoup, pour ceux qui connaîtront la référence, Phineas et Ferb, voilà. Et c'est un peu le QG de Clochette. Donc là, on a une étagère spéciale avec tous les livres que j'ai pas encore lus, et comme vous pouvez voir, il y en a pas mal. Juste au-dessus, on a du coup une étagère un peu décorative, donc la lampe vient de chez Primark. Et là, vous avez quelques livres. Ceux qui sont en dessous de la lampe, à part le Belle au bois dormant, c'est des livres Phantom Manor, enfin Haunted Mansion, qui sont en anglais. Là, on a du coup toute mon étagère bleue.
À l'intérieur du carton, c'est une horloge que j'ai pas encore accrochée, voililà. Comme je vous le dis, je suis encore en train de faire mon emménagement. Là, on a ma partie Cendrillon, puisque c'est l'une de mes princesses préférées. Rien de nouveau depuis les précédents home tours. Et au-dessus, on a du coup les livres qui sont trop grands pour rentrer dans les autres étagères. Ensuite, ça n'a pas bougé, c'est l'étagère pour vos cadeaux, que j'ai bien caché cette fois-ci. Une petite boîte de Pinocchio. Mes Tsum Tsum de Dingo et Max, que j'avais pas accroché jusqu'à présent, donc je suis contente de les avoir sortis de la boîte. Là, c'est encore une grande Jester. Alors ça, c'est en travaux, clairement. C'est en chantier, parce que je sais pas trop comment l'aménager correctement. Mais voilà, donc c'est mes livres de couleur blanche. Et j'ai cassé la chaussure que vous voyez juste ici. C'était celle d'Aurore de Disneyland Californie pour les 60 ans. Je l'ai pétée, donc il faut que je la refasse. Ça, c'est une étagère là-haut. Voilà. Je pense que ça se voit à peu près. Et en fait, j'ai laissé de l'espace surtout parce que je veux acheter la figurine que je vous ai montrée du coup dans mon vlog shop Disneyland Paris. Donc j'attends qu'elle arrive. À gauche, on a les romans dérivés des histoires Disney. Une petite boîte Cendrillon. C'est très pratique pour cacher le bordel derrière. Et là, du coup, on a une étagère Alice au Pays des Merveilles qui est nouvelle pour le coup. Donc les petites tasses, elles viennent de Tokyo Disneyland et de Walt Disney World. D'ailleurs, pour ceux qui me suivaient déjà à ce moment-là, vous rappellerez sûrement de l'anecdote de la théière que j'avais dû ramener dans la valise. C'était une sacrée galère. Tout à droite, vous avez une illustration de ma chère Estelle Eric, que vous voyez juste ici. Une petite boîte à l'arrière. Et ici, c'est la boisson que j'avais voulu ouvrir avec Betty et que j'ai jamais réussi parce que j'avais pas d'ouvre-boîte. Et en final, j'ai plus envie de la garder comme décoration. Ici, on a les livres de couleur noire, avec des baumes à lèvres d'Inside Out qui sont bien évidemment périmés depuis. Et là, à gauche, on a du coup toute la collection des Art of by Chronicle Books. Et j'ai mis mes Tsum Tsum au-dessus, je trouvais que ça rendait pas mal. Donc c'est que des Tsum Tsum Pixar. Hop, on descend un peu plus bas avec du bazar, des trucs pour les crash tests et des albums photos. Et là, on a la partie plus albums pour enfants, etc. Voilà ma Pixie Army pour cette vidéo room tour, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles sont vos pièces préférées, ce que vous avez aimé ou pas. Je suis pas trop rentrée dans le détail non plus parce que j'ai déjà fait deux autres room tours sur ma chaîne et même s'il y a de nouvelles pièces dans ma collection, globalement c'est à peu près la même chose. Donc bon, j'ai essayé de faire court et concis, mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, je vous aime. Bisous, bisous, bisous. Ça fait trop bizarre de le faire ici pour la première fois. Alors, en bonus, qu'est-ce que je peux vous dire? Je vais vous raconter une petite anecdote. Il y a quelques jours, j'ai ouvert ma boîte aux lettres et j'ai reçu un colis de Disney que je n'attendais pas du tout. Et en fait, c'est un colis sur le thème du Roi Lion, avec un challenge à remplir. Et donc, du coup, je me suis donné la mission personnelle de remplir ça en vidéo. Donc, préparez-vous. Je pense que ça va être très marrant, il y a un défi avec Clochette et surtout il y a un truc que je redoute énormément, c'est que j'ai reçu une sucette avec des insectes à l'intérieur que je vais devoir manger. Je sais que vous allez prendre énormément de plaisir à ça, donc j'espère que ce sera pas trop dégueu, qu'on sentira pas le goût des insectes, ça me répugne d'avance. Et puisqu'on est entre nous, n'hésitez pas à me dire également dans les commentaires le type de vidéo bonus que vous aimeriez voir par ici. Je suis preneuse. Bisous !